Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur Photoshop pour la 9e partie. Donc ici on va voir pour les réglages, par exemple pour cette image. Donc on voit qu'elle n'est pas très 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 nette quoi, parasol, tout ça. Donc elle n'est pas nette, on voit directement. Donc pour commencer, on va aller sur Images, Réglages, Niveau. Donc on va cliquer dessus. Déjà, on va ici amener un peu celui-ci. Voilà. Donc et ton foncé, ton moyen et ton clair. On va peut-être avancer un petit peu. Celui-ci. Voilà, vous avez ici sur toutes vos fenêtres, vous aurez ici un aperçu coché. Donc vous décochez et on voit déjà la différence entre les deux. Voilà. Donc si vous êtes satisfait de votre travail, hop, cliquez OK. Ensuite, on peut aller aussi par exemple Images, Réglages, Balance des couleurs ici. Voilà, et là on va voir, on va tirer un petit peu plus sur le jaune pour ici le parasol, un petit peu sur le vert, pas trop quand même. On va mettre plus 6 en attendant. Et ici, sur les tons rouges, on va descendre un peu. On va aller sur le cyan, moins 30. Donc pour moi, ça me va à peu près. Donc ici, toujours l'aperçu pour voir les différences entre tous. Voilà, toujours satisfait. Ok, donc on va retourner ici sur Images, Réglages, Luminosité et Contraste. Ici, je suis allé un peu trop vite. Images, Réglages, Luminosité et Contraste. Voilà. Et donc ici, on va régler sa luminosité un petit peu, de façon à faire croire qu'il y a du soleil, donc pas trop, parce que voilà ce que ça donne. Donc soyons raisonnables. Et le contraste, donc pareil, pas trop, ça ne sert à rien. Ici non, moi je crois que ici, ouais, moins 2, moins 3. Ok. Donc, on va continuer. On va faire Images, Réglages, Correction sélectif. Ici. Donc, on va s'amuser avec nos couleurs. Là, je vais être sur le rouge. Donc je vais voir ici pour le jaune par exemple. J'ai baissé un peu le cyan ici. Augmenter un petit peu le jaune. Ou le baisser peut-être, non? Que ça donne? Ouais, j'ai baissé et le noir. Oui, ça va comme ça. Ici, on va aller par exemple sur le rouge. On va faire sortir un petit peu le rouge ici. Voilà. Donc après, vous voyez ce que vous voulez faire. Donc pour moi, OK. Et on va aller retourner sur Images, Réglages,
teinte et saturation. Donc toujours pareil, on peut s'amuser. Voilà, là pas trop parce qu'on a l'impression qu'on a attrapé un vilain coup de soleil. Ouais. Donc on va aller plutôt de ce sens là. Saturation. On va peut-être augmenter les légèrement, voilà, luminosité, pas trop. Je crois qu'on va laisser plutôt à 0. Ok, donc voilà notre image. Je vais vous faire voir l'original. Donc je vais la renommer autrement. Comment je n'arrivais pas à l'ouvrir. Ouvrir. Donc voilà nos deux images avant et après. Donc on voit nettement la différence. Donc j'aurais pu aller plus loin sur mes réglages que je vous ai fait voir. Hein. Donc là pour le tuto c'est pour vous justement pour vous faire voir ce qu'on peut faire. Donc voilà l'original et la copie qu'on vient de finir. Donc il n'y a pas photo. Pour une photo, il n'y a pas photo. Oui, c'est bien aussi. C'est pas grave. Donc on voit très bien le résultat. Donc ce tuto est fini. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt.